Cynthia en couple avec Greg, elle balance que Vi et Mélanie ORL clash sa copine. Après 7 ans de relation, relation qui est devenue stable et sérieuse après la naissance de Ruby et un mariage en janvier 2022. Carla Moreau et Kevin Gidge se sont brutalement séparés en octobre dernier. Suite aux révélations choc de Belle Longwell. Le grand public a découvert que le Jaguar était retombé dans ses travers, puisqu'il a eu une relation intime avec la jeune Brésilienne dans la villa de la Bataille des Clans. Depuis leur rupture, Kevin fréquente très Cynthia McCool, une nouvelle recrue des Marseillais. Mais depuis quelques jours, la jeune femme se serait fortement rapprochée de Greg Yoga. Blasting News vous raconte tout. Découverte dans les Marseillais au Mexique cette année, Cynthia est rapidement devenue une candidate incontournable grâce à son bagou et à ses multiples conquêtes masculines. Après une love story avec Greg, la belle brune a flirté avec Vivian ou encore Julien Bert, dont la maman vient malheureusement de mourir. Alors qu'on pensait qu'elle entretenait une idylle discrète avec Kevin, qui n'est pas encore divorcé de Carla, Cynthia ne se sépare plus de Greg ces derniers temps. En effet, les deux amants ne cessent de partager les mêmes clichés de plats dans des restaurants parisiens. Curieux, Navi cherche à contacter directement la candidate de télé-réalité pour en savoir plus, elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'histoire de plan CL. De buzz ou quoi? Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de Greg, qu'elle avait eu un déclic. Que c'était une évidence. Elle a ajouté que c'était un amour hyper fort et sincère. Guillaumet. Cynthia, qui a été exclue des 50 pour possession de stupéfiants, si l'on en croit les blogueurs, est alors accusée de se remettre en couple avec Greg pour revenir en télé. Mais la jeune femme a assuré à Navi cherche qu'elle ne voulait plus intégrer un programme. Mais alors, que Kevin Gidge dans tout ça? Là aussi, Cynthia s'explique sur une note vocale envoyée au blogueur, Kevin. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne m'étalerai pas plus sur le sujet. Il y a une famille dans tout ça. Seul moi et Kevin connaissons la vérité. Par rapport à Greg, il faut faire des choix dans la vie. Et des fois, ce n'est pas le bon moment. Guillaumet. Mélanie ORL étant l'amie de Cynthia, mais aussi l'ex de Greg, est submergée de questions depuis l'annonce de ce nouveau couple. Agacée, elle a fini par répondre en vidéo et clash, « Mes copines se tapent mes ex ?» Réponse en 52 secondes de chrono. « Je m'en tamponne. Je suis totalement dans le partage en plus. Si elle a envie de taper dans mes restes, elle tape dans mes restes. » Si elle a envie de ravaler mon vomi, elle ravale mon vomi. Si elle a envie de s'inventer des vies et des sentiments, elle s'invente des vies et des sentiments. Je m'en fous royalement. Peace and love. Je suis trop loin pour ce genre d'histoire. Arrêtez de m'assimiler à certaines personnes.